Bonjour et bienvenue sur votre magazine ICC L'Actu. Le cartable. À l'intérieur de ce cartable, il y a une multitude de richesses que l'on ne soupçonne pas. Ces feuilles blanches où ils écriront les prémices de leurs rêves, ces feutres par dizaines pour y mettre un peu plus de couleur. Et si les gommes n'effaceront pas toutes leurs erreurs, les stylos réécriront le futur de leur histoire. Mais la seule règle pour expérimenter cela, c'est d'en avoir un. Participez à la deuxième édition de l'opération Cartable organisée par Impact Sans Frontières. Faites un don et permettez à environ 250 enfants à travers le monde d'avoir un cartable, des fournitures scolaires, une tenue vestimentaire et les frais de scolarité pour la rentrée. Pour contribuer, rendez-vous sur www.impactsansfrontières.com, rubrique « Faire un don », puis sélectionnez le montant de votre don. Pour plus d'informations, écrivez à contact@impactsansfrontières.com. L'opération Cartable pour un meilleur futur d'une multitude. Ce mois d'août, faites-le plein de la parole avec le replay. Du lundi au samedi à 18h, c'est Éclat de sagesse. Revivez les moments forts de la précédente saison. Et du lundi au jeudi à 21h, revivez l'expérience Méga Impact Conférence 2021. Sans oublier un programme dédié aux enfants de 9h à 11h les samedis matins. Profitez pleinement du contenu riche en qualité, accessible sur la chaîne YouTube ICC TV et l'application Smart ICC. La guerre des étoiles a déjà commencé. Êtes-vous prêts? Le replay, c'est cet été jusqu'au 28 août. Soyez connectés. En ce mois d'août, le Seigneur nous emmène à une nouvelle dimension de contemplation et de gratitude. Action de grâce, émerveillement et admiration. En ce huitième mois de l'année, saisissons les paroles prophétiques du mois d'août. En août, quand tu vas regarder en arrière, tu vas être conscient de plusieurs choses. Dans Dieu t'a sauvé, t'a relevé et t'a fait justice. Alors tu as une tête d'action de grâce et d'adoration. Ceux qui te poursuivaient jusqu'en juillet, tu les cherches, tu ne les trouves plus. Tu vas regarder de janvier jusqu'à fin juillet. Wow. Tu seras à un endroit qui va t'obliger à rendre grâce, à l'admirer, à le contempler. Dire waouh! Le mois d'août n'est pas un mois où tu vas pleurer. Si tu pleures en août, ça sera un pleur de gratitude. Amen. Et de contemplation. Il n'y a personne qui participe à ce programme qui, au mois d'août, va pleurer de lamentation, d'apitoiement. Non! Ce sera des pleurs de gratitude, des pleurs de contemplation. Saturons-nous des paroles prophétiques et connectons-nous au temps de prière fervent du mois d'août. Disponible sur la chaîne YouTube ICC TV et sur l'application Smart ICC. Alors, prêt à expérimenter la dimension de la contemplation ? Femme d'impact ? Avec Éclat de Sagesse, nous poursuivons notre programme de cet été. Pour cette semaine, nous allons à la découverte ou redécouverte de la rubrique Porteuse de Destinée. Nous reverrons les thèmes Bébé Miracle, Manifester les desseins de Dieu, un choix, Famille recomposée et si on en parlait, Nos enfants face aux écrans. Du lundi 9 août au jeudi 12 août à 18h, heure de Paris, retrouvons Pasteur Maud et Pasteur Sita en exclusivité sur ICC TV. Soyons nombreux et nombreuses connectés à ce merveilleux moment. Notez dans vos agendas.
La plateforme des célibataires épanouis et productifs vous convie tout l'été à plusieurs sorties récréatives et d'évangélisation dans le respect des gestes barrières et des mesures sanitaires. Pour découvrir tous les programmes, scannez dès maintenant le QR code. Cet été, participons aux diverses activités proposées par les familles d'Impact, adaptées à tout âge, tout en respectant les règles sanitaires et les mesures de distanciation. Découvrez les activités prévues cet été, comme des excursions au Futuroscope ou à Deauville. Vous pouvez dès à présent télécharger le catalogue spécial été des familles en scannant le QR code qui s'affiche à l'écran. Ne manquez pas ces occasions de se retrouver et soyons nombreux au rendez-vous. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse.